Nèg sa yo se Katel Jones ensemble avec Bois Droite li qui se Maotier Angelo. Bois Droite Jones qui li même se yon nèg qui se yon puissant allié Genef en famille. Ben la police met la patte sou nèg sa yo et prend 11 armes, un fusil d'assaut de calibre 5.56, un fusil d'assaut PA-15. Donc là Genef ou capable di li prend coup. Ben Jean Doulan Jones Katel ensemble avec Bras Droite Lima Otier Angelo nèg sa yo yo te tué yon policier Boyd. Abe jodi an yo nanmen la police. La police prend yo ensemble avec Zamyo, ensemble avec un Nissan Xterra et plusieurs téléphones fanatiques du canal Journal 9. Mais c'est pas coup ça seulement la police fait. La police gèle sou Brezegni, la police fait plusieurs autres coups, arrête plusieurs autres nèg armés, l'autre bandit encore. Tout détail yo c'est porte-parole PNH la gari de Osier ka bay yo. Entendez monsieur. 2021 conférence de presse. C'était que nous pas parler du bilan partiel que la police et ensemble d'opérations et arrestations fait sur tout département. Gagné en total 307 interpellations faites sur tout département. Chef d'accusation détention illégale d'armes, braquage, trafic illicite de stupéfiants, trafic de cocaïne, viol et attaque armée. Comme nous tout connaissons hier, DCPJ menait une opération dans zone Caso. C'est suite à une filature depuis des jours qui conduit DCPJ à arrêter Katel Jones et Maotier Angelo. On a noté Katel lui-même, son chef gang qui a opéré dans la zone Cité Soleil, plus précisément Terre Noire, et Maotier Angelo, c'est adjoint. Et tout qui était impliqué tout dans l'embon qui était fait sur un policier Boyd en octobre 2017. Côté que le policier a perdu la vie, qui c'est le policier Jean Watson. Jean nous dit, hein, nous avons ensemble de matériel que nous saisons dans le monsieur, dans le Nexario, à savoir fusil qui a gagné là, qui sont fusils d'assaut. Gagné deux chargeurs. Et yon ensemble cartouches également quatre téléphones que nous prenons et monsieur Sarou est à bord de yon Nissan Xterra de couleur blanche numéro plaque Lancy AA 158 40. Pour le moment yon actuellement dans le CBJ côté que yon a positionné et côté que la population capable de mon titan capable oui, M. Zalo, plus près, parce que nous pouvons être une population capable d'identifier Emile et Edmundo, c'est ensemble de gangs qui empêchaient particulièrement l'activité dans la zone. Et déjà, plusieurs victimes de même mourir cause éléments qui a dérangé la société depuis bien des années. Il y a une saisie bois qui était faite tout dans l'aéroport international pour cette ouverture le 7 décembre, côté que DCPJ a arrêté trois Nigériens. Kenneth Madu Kante, qui gagne 28 ans, un jeune, côté que il valait 115 bâtonnets, qui égale à 1,6 kg de cocaïne. Gagné tout Peter Idi Bagen qui gagne 28 ans, monsieur lui-même valait 100 bâtonnets qui égale à 1 kg 3 kg de cocaïne. Gagné tout Banjobu Bakayoko 24 ans, lui-même qui valait 55 bâtonnets qui égale à 0,70 kg. De cocaïne en total 3 kg 6 kg de
Bon, alors, c'est pas que ça fait l'ambiance là. Et bon, total, 3 kilos, 3,6, mais 3,6 kilos, tout cas. C'est ce que ça fait dans l'aéroport international, tout simplement. Le 9 décembre 2021, le commissaire à Pétionville, suite à l'opération, arrêté dans Jalousie, dans la commune de Pétionville, Guerny Jonas, qui continue à prendre Petit Jonas, qui est chef gang Jalousie, Kenny Sanon et Joacin Soumel. Chef d'accusation, vol de moto, hold-up sous cambise et cambriolage. N'a pas noté pour Guerny Jonas. Monsieur, il antécédent avec la justice parce qu'il était incarcéré dans la prison civile de Port-au-Prince, ici devant le pénitentiaire national, le 8 août 2012. Et il est tout impliqué tout dans l'assassinat qui était fait sous Wilson, ainsi connu, dans la zone de côté de Peter. Et suite à l'information qui a additionné, et surtout à cuisiner qui a cuisiné, monsieur soupçonné tout de implication dans l'homme policière François Michel-Ange, côté que le policier s'est affecté dans l'île, côté que il perdu la vie. Jeune policière de 19 ans en promotion, ça a été livré dans la nuit du 17 au dimanche 18 octobre 2020. Le 26 novembre, dans le centre, il y a une opération Barrio qui était lancée par direction départementale Centre-là. Côté que le côté quelques résultats et il y a 4 personnes qui sont interpellées et ensemble de matériel saisi lors de l'opération SA qui menait dans un centre blanc. Côté que arrive Charles Benita, Benito, qui a 20 ans, Fares Beauvoir, Charles Cheltin et puis Wendy Joseph qui a 21 ans. Comme pour l'agence on dit tout à l'heure, vous connaissez que décembre sont période vraiment qui est en pile activité. Et dans ce souci ça, BNH a lui-même comme un acteur qui fait partie du système sécurité, hein, pour défendre de mobiliser le public de manière pour qu'il soit capable de jouer aller dans sa clinique pour affaire sécurité. Et mission, disposition ça, que nous prenons pour permettre que sur le plan sécuritaire au niveau de la police pour que nous soyons capables de présents, c'est d'abord renforcer les patrouilles dans les zones qui ont des risques, augmenter la visibilité policière à travers les routes de Port-au-Prince, mobiliser les policiers, principalement l'unité spécialisée et brigade. Également continuer de mener l'opération dans les zones. Gagner environ 11 000 policiers qui est mobilisé sur tout le pays. Alors, opération SAA, disons, bilan et disons, plan d'opération SAA, son plan, un plan que nous aménageons sur tout le département. Son plan de sécurité nationale pour permettre que nous soyons capables de nous-mêmes vaquer dans des zones pour que nous-mêmes soyons capables de nous famille. Nous connaissons tout que c'est le moment que diaspora tout lui-même profiter de son nouvelle famille, et au niveau de la police, nous dit que. Pourquoi ce n'est pas nous, comme on a bien précisé, ce n'est pas nous-mêmes sommes comme seul acteur dans le système sécurité, mais pourquoi ce n'est pas nous, nous mobiliser. Et il y a d'autres plans tout qui sont aménagés, qui sont effectifs et qui justement abaillent et qui fait travail. Disons. Dans ça, il est effectif, je vous dis, et côté que il a continué justement le travail de ce côté ça et agent mobilisé. Par exemple, un déploiement zone métropolitaine qui est encore en vigueur. Et également tout autre opération qui est établie en question autour et retour dans la plage. Et à savoir, les policiers qui sont mobilisés pour festivités, hein, ils ont déjà mobilisé, ils ont mobilisé en eux-mêmes de manière pour ne pas pas nous, pour que nous soyons capables de porter ça, de la porter comme sécurité. Et ça m'a dit tout, la population en elle-même, porter et pour parler. Et le plan ça déjà en vigueur, il est déjà effectif, il a travaillé. Il a commencé depuis 3 décembre, il a fini le 3 janvier 2021.
Gary Desosiers qui saute parler de différentes opérations la police là lui-même li menait, mais tout sous la patte yo mette sous jeunesse ensemble avec bras droite li Maotier. On a parlé de cartel jeunesse ensemble avec Maotier, Angelo Nexao, c'est des puissants allié Genève en famille qui t'a opéré dans Terre Noire, qui c'est une localité qui basée dans la commune Cité Soleil. Mais il y a des gens qui disent, ok, nous prenons ça, mais qui ça n'a fait pour Martissan côté, il y aurait le cas fou en mort, parce que dès pour passer là-dedans, nous avons plus de chance pour mourir que nous vivons. Qui ça la police a fait pour Kafou Lamo? Yo rele Iran Irak tout parce que son lieu de combat li. En tout cas, c'est pas nous qui répondre réponse ça, c'est pas nous qui répondre question ça, c'est Gary Desosiers porte-parole la police là qui répond question ça en dedans. Pas gain sécurité qui garantit à 100%. Nous connaissons effectivement et tout le monde connaît et au niveau de la police là tout, gagner en plus d'effort fait de ce côté-là. Nous connaissons situation Martissan depuis des années. C'est pratiquement son héritage que la nouvelle équipe s'est rejointe et il faut que vous fassiez tout ça au capable pour que vous soyez capable d'affronter la situation ça, pour que vous gagniez des zones, des départements qui sont bloqués. Nous conservons ça et gagnez un peu d'efforts que vous faites au niveau de la police. C'est pendant que vous parlez à Roland, gagnez des patrouilles qui sont toujours dans la zone là, qui est à bord blindé. Et dans le cadre du renforcement de la patrouille que vous avez fait pour faciliter hein, et à renforcer justement la zone ça. Nous connaissons que la situation, nous connaissons tout, les gens qui sont victimes de la situation. Mais j'en ai toujours dit, la police, beaucoup de parler comme un acteur qui concerne la question de sécurité. Nous, sous place, et pendant que nous sommes sur place, là, et à travers le réseau, nous sommes capables de voir, souvent, il y a des tirs entre forces de police là, qui nous sont là avec des bandits. Ça veut dire que nous pas, comme si nous avons regardé, et nous pas. Et c'est le bras tout. Nous connaissons que ce n'est pas une situation facile, très délicate. Mais au fur et à mesure, nous avons élaboré des plans de sécurité. Nous avons vu avec des briefings, avec d'autres considérations et réflexions que nous sommes capables d'arriver, permettre un jour, et c'est ça que tout le monde des peuples a espéré, pour qu'ils soient capables d'arriver par plan haut, sans problème, parce que le problème n'a pas de propre. Et la police, beaucoup de pas lui-même tout. Lui encore engagé et déterminé pour continuer à faire effort et ça fait que nous toujours fait appel à l'autre acteur qui est dans le domaine sécurité. Et ça fait que nous disons que nous faisons appel avec l'autre qui est dans la sécurité. C'est pas pour que nous disons que nous-mêmes nous cherchons justement une réponse pour sortir de la tête. Nous encore là et nous réalisons dans l'opération que nous avons fait et encore une fois en mémoire et policiers qui étaient perdu la vie le 12 mars là, et c'était une tentative et c'était objectif pour nous être capables d'arriver du manger. Ça veut dire nous battons pour nous, nous battons pour nous-mêmes pour que nous sommes capables de combattre. Mais ça va nous faisons appel tout avec les autres secteurs pour que nous sommes capables de combattre. Ce qui s'est passé avec vos paroles. Ce qui s'est passé avec la police, ce qui s'est passé avec vous. Et pour le moment, pendant la parole, nous sommes en contact avec les responsables. Et au niveau du commissariat, il y a une équipe d'intervention qui est là, qui et gagner un regard sur le commissariat. Mais ça qui est passé au commissariat, on a réalisé à travers l'image des bandits qui pratiquement violent l'espace-là et qui montent dans l'espace-là. Et heureusement, pas de policiers pour ça. Ils sont au commissariat qui est déjà avec autant de tirs et policiers lui-même. De toute façon, il faut mettre la couverture. Parce qu'il faut policiers lui-même arranger des pieds pour qu'il soit capable de mettre en vie, pour qu'il soit capable de combattre pour nous et pour qu'il permettre que la population soit en vie. Ce n'est pas nous seulement, justement, qui a poumé pour les envies, mais n'a poumé tout pour la population. Le moment où on a parlé de la commissariat Binader, là, il y a un commissariat qui fait la dernière. Pas de bien du fait pour ce commissariat, Matisse, pas de bien du fait des images. Écoutez, des images, qui des images, qui montrent le côté que, bien des côtés que, bien des sections, côté que Négoufel. Mais c'est des bagailles qui ne peuvent pas faire décourager. Effectivement, les toucher moi à l'institution, oui, à la vérité, il faut nous connaître dans sa vie, les toucher moi à l'institution, même pas décourager pour autant, parce que nous connaissons que le temps joue toujours en faveur de la police. Dès que je joue en faveur de la police, nous connaissons que la population lui-même qui prouve et beaucoup de parler, aidez-nous dans ce sens-là, comme nous habituons à faire. Et nous continuons à faire et il y a continué à faire. Qui peut la police sur chaque précision, vous dites la police a un regard sur ce commissariat. Il sous-contrôle nous, bien sûr. Exactement, nous sous-contrôle. Qui peut la police qui est sur chaque bande climatisant? Parce qu'il y a un peu de monde qui est plein de chaque appel.
Alors, nous trouvons que nous très prudents à ensemble des formations qui ont véhiculé sur le réseau. Parce que l'ennemi, qui c'est bandit population, yo a dit des bagages avec tout. Nous pas font des bandits total, tout. Mais dès que ça touche chez nous, il y a l'inspection générale lui-même qui lui-même touché par ça et qui a lui-même est informé et pour que venir ensemble des formations pour vérifier ça. Et bien, je dis à vous, ils ont dit ça. Il y a des agents de CPJ qui ont dépêché. Dans quel niveau ça est ? Ils ont abandonné ou bien ils ont continué ? La police n'a jamais abandonné. Et sinon, il y a des gens qui ont arrêté qui sont impliqués dans la mort de monde et 5 ou 10 ans jusqu'à. Ça veut dire que la police n'a jamais abandonné. Et ce n'est pas un mot qui existait pour nous. Et ça capable de vivre, il y a des barrières capables de prendre pour l'autre. Et abandonné, il n'a pas fait partie du travail. Les policiers ont dit qu'ils étaient disponibles pour aller chercher là. Comment ? Les policiers ont été disponibles pour aller chercher. C'est tout, c'est tout en procédure. Et déjà, j'ai envie de dire dans la dernière conférence, et le choix est fait. Mais qu'on y a là, c'est une bonne procédure qui peut appliquer pour que l'État va faire. Mais nous-mêmes, bon côté par nous faisons le travail. Merci. Regardez aussi, sous dossier travailleur, quel dernier chiffre vous avez en termes de bilan par rapport à la place? Et hier, je crois que le président CSP a fait une conférence. Et nous parler justement avant de rentrer en chiffre avec l'autorité locale. Moi, c'est que c'est mieux pour référer à maire et qui est vocablant parce que c'est le pôle du citoyen de la ville. Monsieur Paul Paul, ça fait plusieurs, ça fait deux interventions que vous faites. Vous êtes un peu l'étranger qui a passé avec vous dans l'aéroport international pour cette ouverture-là. Qui s'est expliqué ça? Son groupe qui a fait découvrir, on suggère ce qui va gagner, on profite de lui, qui sont capables d'expliquer par rapport à ça. On a réfléchi et on a analysé ça. Effectivement, j'en dis bien. Très important, très bonne question. Et ça fait deux fois. Première fois, elle passe, deuxième fois. Et probablement, il est capable de le prendre bien avant. Mais on a fait quelque chose sur ça. Mais heureusement, pendant deux tentatives, nous allons faire. Si ça a fait encore, on a fait. Merci. Gary Desrosiers, porte-parole police nationale, qui t'a parlé sous j'effort qu'a fait pour essayer de reprendre le contrôle Martissant, mais qui pas facile. Parce que Gary Desrosiers dit, il n'y a pas garanti sécurité à 100% au niveau de Martissant, qu'a foulé en mort. Iran, Irak, lieu de combat. En tout cas, Getty Jeffo qu'a fait, mais Gary Desrosiers va qu'a promettre mon yo qui est qu'a passé libé, qu'a danser compas dans Martissant, va y'a pas comme ça. Parce que, y'en a grand avine dans l'or, y'en a t'il appli, ou y'en iso dans village en là, ou y'en nek t'il boye, ou tout cas, y'en pile problème, et nek chariot. Bon, Gary Desrosiers parle sous ça, comme quoi, c'est pas vrai, y'en nek nan chariot qu'a tiré sous population, hein. En tout cas, s'il a appelé toujours dénoncer ça, ils ont toujours dénoncé ça. Qui bon vérité a e? En tout cas, c'est nous-mêmes, fanatiques Joe Canel, qui a fait une idée de qui bon vérité a e dans deux camps ça yo. Et tant qu'on toujours dit ou qu'on formule l'an déjà. Si vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petit cloche là pour qu'à toujours recevoir notification yo chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez nous sur Facebook, Instagram, Twitter, suivez nous sur www.journal9.tv et toujours vide bagaille neuf pour nous dans Cash App, Zelle, PayPal pour qu'à encourager bel travail ça. N'a pas camper là avec vidéo aussi là.